Pour dessiner Psychoquack, cet étrange Pokémon mi-aquatique mi-psy, commencez par dessiner une ligne. Divisez cette ligne en trois. La première partie est pour la tête. Faites un ovale comme ceci. Faites une croix légèrement penchée à l'intérieur. Ensuite, faites un autre ovale pour le corps. Il ne doit pas toucher la ligne du bas pour garder de la place pour les pieds. Faites les bras à ce niveau, légèrement au-dessus de la deuxième marque. Psychoquack se tient la tête car il a la migraine en permanence. C'est aussi pour cette raison que sa tête est penchée. Comme c'est un canard, a priori, il a des mains palmées. Utilisez la croix faite avant pour placer les yeux de Psychoquack. Faites deux ovales pour les yeux. Ensuite, faites trois cheveux sur sa tête dans ce sens. Puis dessinez le bec qui est légèrement sous la ligne. Servez-vous bien de la croix pour le faire dans le bon sens. Ensuite, faites-lui ses pieds, qui sont palmés aussi, avec trois pointes. Puis sa queue, comme ceci. Psychoquack ressemble beaucoup à un ornithorynque. Gommez les traits inutiles avant de finaliser le dessin. Complétez les contours de Psychoquack. Grossissez et noircissez ses cheveux. Faites deux petites pupilles pour les yeux. Faites les narines en haut du bec comme ceci. Et vous avez fini de dessiner Psychoquack.